remercie. Bane serait mort sans votre aide. Je ne pouvais l'accepter. Moi non plus. Je refuse de l'abandonner. Comme je l'ai fait pour son père. Si seulement j'avais une seconde chance. Cairn. Garrosh. Terramor. Parfois, j'ai l'impression d'avoir raté absolument tout. Qui n'aimerait pas une seconde chance? À présent, Sylvanas va arriver. Les pitons du tonnerre vont partir en fumée, tout comme Teldrassil. Par le passé, vous et moi avons fait cause commune sur les pentes du mont Ijal. Cet arbre monde n'est pas tombé parce que la Horde et l'Alliance œuvraient ensemble. La Horde, l'Alliance, c'est la même histoire qui se répète encore et encore, Jaina. Et ça finit toujours mal. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Nous, Trell. Je dois partir. Anduin sera soulagé d'apprendre que Bane est sauf. Dites à votre roi qu'il n'est pas seul. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite cinématique, il fallait que j'en parle. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est du spoiler. Mais en l'occurrence, il fallait que j'en parle parce que cette cinématique est juste merveilleuse. Honnêtement, elle est juste merveilleuse et c'est ce qui me fait aimer justement Battle for Azeroth. Alors je sais que l'extension est fortement critiquée, ce qui me fait beaucoup rire étant donné que moi je critiquais énormément World of Warcraft quand tout le monde kiffait. Et maintenant que l'écriture est meilleure, eh bien j'ai l'impression d'être au milieu de gens qui n'aiment plus World of Warcraft. Donc ça me fait rire. Mais la situation est ironique, dirons-nous. Mais du coup, cette cinématique donc, se passe... alors, c'est pour la 8.2, donc la mise à jour, la dernière mise à jour avec Najjatar, etc. Et c'est l'avancée, hein, tout simplement, de la campagne militaire. Sachant que donc, on ne connaît pas tout ce qui s'est passé entre-temps, mais en gros, Bane, qui avait été capturé, qui avait été mis au fer par Sylvanas suite à sa trahison, on l'avait fait en stream... Je vous mettrai le replay à la limite dans les commentaires. Mais en tout cas, donc cette attaque, enfin il y a eu une attaque pour délivrer Bane. On sait pas trop comment ça s'est passé, etc. Mais en gros, Bane a été libéré avec l'aide de Jaina. Et honnêtement, moi cette cinématique, je la trouve super intéressante pour différentes raisons. Bien entendu, déjà en tant que joueur de Warcraft 3, je suis comblé parce que beaucoup de choses. Il y a tout un arc en fait qui a quasiment 15 ans qui vient de se conclure, ou en tout cas qui se repositionne, parce qu'on là on est dans une situation un petit peu vanillesque, je dirais, entre Thrall et Jaina, puisque je le rappelle, hein, il faut avoir vu la vidéo sur Warcraft 3 bien entendu, mais en l'occurrence c'est vrai que Jaina et Thrall dirigeaient tous les deux leur camp, hein, c'est-à-dire l'alliance du côté de Jaina et Thrall dirigeaient la horde à Vanilla. La différence c'est qu'à Vanilla, Jaina contrôlait une alliance et il y avait une autre alliance. Bon, je vous laisse aller voir la vidéo sur Vanilla, mais en l'occurrence Jaina a pété un câble après Terramor et autres, ce qui fait qu'elle était devenue anti-horde totale, et dans cette extension elle s'est rendue compte que non, la horde c'est pas... Enfin, c'est pas... Elle a redécouvert plutôt que la horde c'est pas que des retards, hein, c'est pas que des bilos, et que Thrall et Jaina... Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs qu'en VF ils se vouvoient, alors on va dire que c'est par respect de ça tout ça, ouais mais ils sont vraiment amis Thrall et Jaina, et le vouvoiement apporte une certaine... on va dire une certaine distance, et c'est un petit peu dommage. Mais du coup... Ils sont à Thunderbluff, donc 1000 pointes en Mulgore, et pas 1000 pointes, pardon, je voulais dire Piton du Tonnerre, donc en Mulgore. Et on a, alors j'adore ce plan, avec Sorfang qui dit à Thrall, va la pécho, va la pécho. Et d'ailleurs, je trouve que la probité entre Thrall et Jaina est impressionnante, parce que il faut savoir qu'à l'époque de Warcraft 3, et même au début de WoWania, il y avait beaucoup de fanfiction et de rumeurs, comme quoi Thrall et Jaina allaient sortir ensemble. Alors je sais, vous allez vous dire, maintenant on va se dire, oui, c'est ridicule. À l'époque, ce n'était pas ridicule, étant donné que l'histoire de Thrall, je la ferai un jour, mais son premier amour, le premier amour de sa vie était une humaine, Thrall, et c'était en l'occurrence une femme humaine blonde aux yeux bleus,
Donc forcément, il a retrouvé en Jaina un petit peu cette part-là, et ils se sont alliés contre l'apocalypse sur le mont, enfin au mont Ijal. D'ailleurs, bien sûr, la citation du mont Ijal, comme quoi, voilà, au départ, ils se sont. Ce que j'adore, enfin, là, je suis désolé, je suis un petit peu décousu, mais donc ça, j'ai adoré, bien sûr, la référence à l'apocalypse de la troisième guerre de Reign of Chaos. Et l'autre point, c'est ici. Avec justement Thrall qui remercie Jaina parce que par son inaction, par le fait qu'il n'était pas présent, qu'il est arrivé en retard, on va dire, eh bien, il a failli perdre Bane alors qu'il avait juré à son père de s'occuper de lui. Et il a dit qu'il avait failli perdre Bane comme il avait fait défaut à Cairn, son père. Ce qui est assez extraordinaire pour deux raisons. On va commencer par la raison, le littéral, le premier degré, on va dire, avec le fait que Thrall justement fait un mea culpa sur les actions qu'il a pu mener, les décisions qu'il a pu prendre depuis en fait Cataclysme. Depuis Cataclysme, avec le fait qu'il laisse Garrosh prendre la tête de la Horde, alors ils avaient eu des petites discussions avec Jaina. Il faut savoir que Jaina est très 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 utilisée par Christy Golden, qui est, je le rappelle maintenant, le leader du lore en fait, la scénariste principale de World of Warcraft, et elle a écrit énormément de bouquins par le passé, et en l'occurrence, eh bien Jaina elle a été écrite plein de fois par l'auteur. D'ailleurs, Christy Golden s'y connaît aussi puisque c'est elle qui a écrit son premier livre avec Blizzard, était le chef de la rébellion, et c'était Thrall qui était le héros de ce livre. Donc c'est assez drôle, je trouve. Et le deuxième est celui qui a été le plus, on va dire, le plus gros succès de Christy Golden, qui l'a fait connaître. J'aime pas trop ce livre. C'est Arthas. C'est le livre sur Arthas. Et en l'occurrence, eh bien, Jaina était l'une des héroïnes, bien sûr, puisqu'elle suivait l'histoire de Warcraft 3. Donc ce qui est assez drôle, je trouve, c'est qu'on voit un mea culpa de Thrall qui dit voilà, bon, en l'occurrence j'ai failli à Bane, enfin Cairn est mort par ma faute parce que j'ai mis Garrosh au pouvoir, j'ai failli perdre Bane parce que encore une fois j'étais AFK comme un retard, et je m'en veux, Terramort est arrivé à cause de moi. Donc il lui ouvre son cœur en disant tout ce qui t'est arrivé Jaina, c'est en partie de ma faute et j'en suis profondément désolé. Enfin, il ouvre vraiment son cœur et il reconnaît ses torts. Il y a un autre truc aussi qu'il évoque, j'ai oublié, comme Terramort. Non, je crois que c'est que ça. Mais bon, il y a plein d'autres raisons qui fait qu'il a pas aimé Warlord of Draenor, tous les événements de Warlord of Draenor et autres. Donc il est vraiment triste, et quand il dit Terramort, Jaina est On voit la tête, et franchement, alors c'est des cinématiques faites avec le moteur du jeu, mais qu'est-ce qu'elle est belle par contre. Genre Jaina, avec on voit vraiment ses émotions, toutes ses émotions de Jaina, je trouve. Et on voit vraiment le fait que Terramort, ça lui fait du bien, on va dire, dans la. Parce que Jaina, Thrall, on va dire, les deux ont eu une approche différente pour gérer le deuil. C'est-à-dire que Thrall a dû vraiment s'absenter, partir sur le côté, essayer de s'exiler, alors que Jaina, elle a noyé son chagrin dans la haine et dans la colère. Et maintenant, il faut un peu de temps pour faire son deuil. Alors attention, hein, je vais critiquer aussi une partie du deuil après, mais en l'occurrence, c'est quand même assez intéressant puisque Jaina a sa manière de faire le deuil, et petit à petit, ça y est, la guérison commence. Elle avait commencé aussi pendant BFA, pendant tout au long de BFA, la guérison avait été bien menée, avec notamment les agissements de Bane et autres. Et au final, eh bien, là, Jaina, ça lui fait du bien d'entendre Thrall qui s'excuse pour Terramort. Et qui est profondément peiné, qui limite est encore plus, je dirais, qui en regrette encore plus Terramort que elle, qui a fait un petit peu le deuil depuis. Donc c'est assez intéressant. On voit que Jaina, elle aussi, elle s'en veut de certaines actions qu'elle a pu mener par le passé, sa haine envers la Horde de manière bête et méchante. Et voilà, Thrall qui dit qu'en plus j'ai l'impression d'avoir tout raté, absolument tout. Et alors, il y a un petit changement par rapport à la traduction. C'est que là, en fait, il dit, normalement, elle ne répond pas, on aimerait tous avoir une seconde chance. Normalement, en anglais, elle dit, on a tous du sang sur les mains. Ce qui, bon, revient un peu du pareil au même, je l'avoue. Mais c'est assez intéressant parce que l'idée, c'est que Jaina aussi, elle a fait des exactions suite, notamment, bien sûr, la reprise, j'en parlerai probablement dans Kata et dans Mop. Mais elle a, en l'occurrence, massacré des personnes de la Horde, parce qu'ils étaient de la Horde. Donc oui, il y a eu des exactions aussi du côté de l'Alliance. Et en l'occurrence, c'est vrai que Jaina, elle s'en veut aussi d'avoir noyé ça un petit peu on va dire, son chagrin dans la haine. Et du coup, c'est encore une fois le Teldrassil, et j'adore le discours de Jaina qui fait la dernière fois nous nous sommes alliés, cet arbre monde n'est pas tombé. J'adore la VF d'ailleurs, parce que je l'ai entendu en VO et en VF, mais la VF de Jaina est vraiment magnifique, elle est vraiment superbe, et j'aime beaucoup la manière dont elle le dit. Franchement, ça m'a ému. Ça m'a vraiment, cette vidéo m'a ému, parce qu'en tant que joueur de Warcraft 3, là, il y a vraiment, j'en prends plein la tronche, quoi. C'est vraiment. Et puis, en dehors de ça, et là je vais venir sur mon deuxième point sur le mea culpa de Thrall et Jaina, c'est en dehors, en tant que joueur, bien sûr, il y a
Je rappelle quand même que World of Warcraft va avoir 15 ans. Ouais, 15 ans, je sais plus d'ailleurs, 14 ou 15 ans. Et en l'occurrence, il y a eu des arcs que j'ai détestés. En l'occurrence, par exemple, bah, Thrall qui est AFK, qui part sur le côté, qui s'en bat les steaks afin de laisser un peu de place à Garrosh et autres. Jaina qui pète un plomb, alors que Jaina, toute sa vie, elle l'a consacrée à la paix. Elle a connu des tragédies dans sa vie, la mort de son grand frère, la mort de son père. Elle a connu la fin de l'Alliance telle qu'elle la connaît. Elle a connu la mort de son âme sœur, à savoir Arthas. Enfin, elle a connu d'énormes pertes, la perte de son mentor Antonidas, elle a connu énormément de choses, de terribles épreuves, et au final, c'est vrai qu'on avait eu sentiment, on a essayé de nous forcer un peu en mode oui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle qui prône toujours la paix, elle fait son deuil différemment, tout ça, tout ça. Et moi, ça, ça a jamais réussi à passer, ça. Ça a vraiment jamais réussi à passer. Et là, enfin, on va dire, on a cet arc-là. Moi, j'avais peur que, on avait tous peur un peu que Jaina devienne une connasse, on va dire qu'elle meurt comme un boss, etc. Et on voit que là, l'écriture commence à vraiment, on n'est plus à l'heure du safari de baisser, l'écriture commence vraiment à remonter en termes de niveau, et justement, au final, ça, c'était qu'une passade. Donc là, moi, maintenant, je suis prêt à accepter que ok c'était une passade. Thrall c'est un peu plus dur, mais Jaina, le fait qu'elle ait la forme de faire son deuil, le fait d'avoir un chagrin et de faire un deuil, on a tous une forme différente de l'acceptation, on va dire, et de la guérison. Mais c'est vrai que Jaina, c'était vraiment très bizarre la manière dont elle a fait, surtout qu'elle nous avait jamais habitués à ce genre de choses, et pourtant elle en a fait des deuils. Donc bon, on va dire que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ce qui est bien, c'est que là on est vraiment en train de retrouver la Jaina. C'était déjà le cas, hein, pendant tout le BFA on était déjà en train de le sentir, mais ça fait plaisir de voir que Jaina a grandi et montre que justement que Thrall et Jaina, qui sont plus tout à fait tout jeunes, hein, il doit avoir Jaina la quarantaine et Thrall aussi pas loin, non il a 30 ans, 30 ans, il a la trentaine, Thrall pardon, je crois il a 32, mais du coup les deux grandissent, mûrissent ensemble. Et ça fait plaisir parce que du coup on retrouve une Jaina qui va revenir un petit peu à l'ancienne, avec bien sûr l'expérience en plus, mais on revient sur la Jaina qui croit en ce monde, Monsieur Frodon. Et on va maintenant attaquer sur un point que je voulais évoquer, parce que on avait parlé au sens littéral, maintenant parlons au sens figuré. Cette discussion entre Thrall et Jaina représente également autre chose. Et vous allez me dire, oui, tu vois des trucs. Non, 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 non. Savez-vous qui représente le personnage de Thrall? Savez-vous? Alors vous allez me dire oui, Moïse, tout ça, tout ça. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, qui donne sa voix à Thrall, qui a créé Thrall et qui, on va dire, est le personnage de Thrall. Enfin, Thrall est le personnage de quelqu'un. En l'occurrence, c'est Metzen, c'est Chris Metzen, l'ancien directeur scénariste de Blizzard pour les trois licences, à savoir Warcraft, Diablo, et en l'occurrence son personnage qu'il double encore, hein, qu'il double encore alors qu'il n'est plus directeur scénariste de chez WoW, enfin de chez Warcraft, enfin de chez Blizzard et pour World of Warcraft, eh bien c'est Chris Metzen qui fait la voix et qui prête son doublage à Thrall. Sachant que Metzen, il faut le savoir, j'en parlerai dans probablement la vidéo sur Cataclysme, mais il était contre l'arrivée de Garrosh. Il était contre Garrosh, Chris Metzen, à l'époque où il était ABC. Alors, même si le directeur, il y avait tellement de pression pour ramener Hellscream, qu'au final, eh bien, il avait accepté, mais il était contre cette idée. Et c'est d'ailleurs pour ça que Garrosh, à Cataclysme, a eu ce changement complet de direction. Au début, il est contre les exactions, etc. Il a un sens de l'honneur, même si c'est un gros con, il a un sens de l'honneur. Et à la fin, bah, il fait en x10 ce qu'il a refusé de faire. Donc ça, c'est Chris Metzen qui était tellement contre l'idée de Garrosh qu'il a voulu saboter un peu le travail fait sur Garrosh. Sachant que, comme je l'ai dit, et c'est pas pour rien que je l'ai dit et que je voulais amener un petit peu avant, Christy Golden a énormément écrit sur Jaina, plein de livres. Alors, encore une fois, elle a écrit Arthas, elle a écrit, c'est comment ça, j'ai oublié le moment, on s'en fout, c'est pas grave, mais elle a écrit plein de livres sur Jaina, notamment bah, le dernier, encore une fois, avant la tempête, hein, le dernier livre à ce jour pour BFA, qui était vraiment la prémisse à BFA. Et justement, on voit que Jaina, elle a décidé de pardonner et de rejoindre l'Alliance, mais pour rejoindre l'Alliance, elle veut faire un cadeau, c'est-à-dire qu'il tire As. Et il y a tous ces trucs-là, il y a tous ces trucs-là, et elle a écrit énormément de choses sur Jaina. Et donc, c'est un personnage qui lui tient énormément à cœur, Jaina. Et d'un côté, vous avez Chris Metzen avec Thrall, avec. En plus, ce qui est très drôle, c'est celui qui s'est exilé, Chris Metzen, a quitté Blizzard. Thrall est totalement Chris Metzen. Et il fait son mea culpa. Chris Metzen fait son mea culpa du traitement de Thrall, et fait un mea culpa du traitement de Thrall et de ce qu'il a pu faire en tant que scénariste à quelques moments dans WoW. Du coup, il dit justement, voilà. Il fait son mea culpa. Et Christy Golden dit aussi qu'il y a eu des ratés, il y a eu des choses. Donc,
ils acceptent même leurs erreurs passées, donc en tant que personnage, mais en tant que scénariste aussi. Et c'est très beau parce que les deux, sachant qu'ils sont... Il faut savoir que Chris Metzen est malgré tout engagé parfois en tant que consultant, même aujourd'hui, auprès de Christy Golden pour lui apporter des conseils et autres, même si lui, ça lui permet de ne pas rester chez Blizzard, pas avoir la pression, parce que c'est aussi pour ça qu'il a quitté Blizzard, il avait énormément de pression, il avait énormément de... Donc il voulait... Donc ça lui permet de continuer de mettre sa pierre à l'édifice sans pour autant avoir toutes les pressions du quotidien et tout, et puis en plus il fait un peu de monnaie en double entrale et en étant consultant. Donc c'est assez drôle d'avoir ça justement avec ces deux personnages, ces deux interprètes qui se parlent en fait. C'est une discussion entre les deux, vraiment, hein. Qui n'aurait pas une seconde chance, le mea culpa, tout ce que j'ai critiqué sur WoW avec le traitement de Jaina et Thrall qui n'avait aucun sens, ma vidéo sur WoW Vanilla où je dis mais pourquoi le conflit reprend entre ces deux-là alors que c'était en paix? À la limite, si vous voulez faire une horde alliance, on se foutait sur la gueule avec la horde des royaumes de l'Est et l'alliance des royaumes de l'Est, mais pas celle de Kalimdor, ça n'a aucun sens. La place de Terra Mort, tout ça. Et du coup, il y a vraiment le mea culpa ici qui est formulé entre les deux, et j'adore après, puisque bon, voilà, Sylvanas qui va forcément ne pas être contente en fond, parce que encore une fois, bah, on a trahi, on va dire, c'est elle le chef de guerre, en l'occurrence, c'est une trahison ce qui vient d'être fait, donc forcément, elle va vouloir. Alors, ça, on y reviendra après pour Sylvanas, je compte en parler après, mais pour finir, justement, Thrall qui dit l'Alliance et la Horde œuvraient ensemble, ils œuvraient ensemble, donc on le rappelle, War 3 ainsi que Frozen Throne, puisqu'ils avaient repris ensemble Terra Mort aux mains de Daylin. C'est la même histoire qui se répète encore et encore et encore, Jaina, et ça finit toujours mal. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Et ce que j'adore, c'est que, alors, c'est à la fois vrai et pas vrai, mais Jaina, alors, elle pose le bras sur le biceps, encore une fois, le petit cri des fans de War 3, bien entendu, mais, bon, après, bien sûr, on sait qu'ils ont pas de... Soyez pas en mode, oui, ils vont avoir une romance, hein. Non, c'est trop tard, mais c'est juste un gros clin d'œil, tout en montrant beaucoup de... un amour fraternel entre les deux, plus qu'un amour vraiment, un amour romance. Et Jaina qui dit neutral, parce que justement ils ont eu ce développement au sein de vous après, donc ça je trouve ça bien, c'est le fait que ça y est, ils ont changé, ils sont prêts à accepter la paix, on va dire, alors accepter la paix entre la Horde et l'Alliance et se battre à côté sans avoir une haine réciproque. Moi, ce qui me fait énormément rire, c'est qu'en fait on revient à Vanilla. On revient à l'époque de Vanilla, ce qui aurait dû se passer à Vanilla 15 ans derrière, avec le fait que bah, Thrall et Jaina étaient amis, et ils étaient alliés, et ils étaient, enfin alliés, pas tout à fait alliés, mais ils étaient en pacte de non-agression, ils se respectaient énormément, ils avaient envie justement de développer ça en alliance véritable. C'était juste que bah, t'enterres pas 15 ans, 20 ans de conflit comme ça, avec énormément de sang et de pertes, donc ça se faisait petit à petit, un peu à façon Afrique du Sud, entre la population noire et la population blanche. C'était l'idée d'essayer de travailler un peu ça, et peut-être après de tisser une alliance plus profonde entre l'Alliance et la Horde de Kalimdor. Mais le truc, c'est que du coup, ça me fait rire parce que Neutral, bah pas tout à fait, hein, à Vanilla, ils étaient ensemble et pourtant on a vu les conflits entre l'Alliance et la Horde. D'ailleurs, il y a un gros débat qui commence à être revenu à cause de cette cinématique, c'est bien sûr l'idée de la troisième faction et l'idée tout simplement d'une faction unique où l'Alliance et la Horde ne seraient plus en guerre. Personnellement, je trouve que c'est des énormes conneries et le simple fait d'évoquer ce genre de choses, à mon sens, soit c'est parce que vous venez de jouer à WoW il y a depuis peu, mais c'est juste pas possible. Je veux dire, vous avez joué 15 ans à World of Warcraft, il y a eu des conflits en permanence hors d'alliance avec des alternances entre guerre froide, guerre chaude, guerre froide, guerre chaude, guerre froide. La BFA, c'était une guerre chaude, on va retourner sur une guerre froide où l'Alliance et la Horde vont s'allier contre un ennemi plus puissant, les DTA très probablement, hein, les dieux très anciens, Nizat, etc. Mais au final, c'est juste qu'il va y avoir une alliance temporaire contre une menace plus grande. Et là, par exemple, bah, ça va être aussi Sylvanas. Donc, faut pas croire que c'est l'arrêt du PvP qui va avoir une faction unique, tout ça. On est dans un MMORPG. Il y a des codes, il y a des règles. Le gameplay est tellement figé. Il y a eu tellement d'erreurs scénaristiques à cause de ce gameplay qui est figé. Vous pensez que du jour au lendemain, ils vont faire « Oh bah allez, troisième faction. Oh bah, on va prendre un tiers de temps supplémentaire. Oh bah oui, ça va être faction unique. Comme ça, il y aura plus de problème, machin. » Non, non, jamais de la vie. Le jeu est codé comme ça. Genre, c'est pas possible, en fait. Mais bon. Après, ça peut être un jour, hein, mais si vraiment WoW se casse la gueule, à mon sens, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle. Mais du coup, même si c'est, bien sûr, il y en a qui disent oui, ça va moins bien le jeu, etc. Oui, on n'en est pas à l'état de World of Draenor où c'était vraiment pas la joie, et même à l'époque de World of Draenor, il y avait encore suffisamment de joueurs. C'était pas la fin de World of Warcraft. Enfin bon, dans tous les cas, pour revenir, on va passer maintenant à Sylvanas pour pas que la vidéo soit trop longue. Sylvanas, moi, je pense malgré, enfin comme ce que j'avais dit dans Prémisse avec Sylvanas, j'y crois toujours. Au contraire, hein, je suis toujours
toujours à fond dedans. Je pense que Sylvanas, bien que là on nous la dépeigne comme la grande méchante, la Garrosh 2.0 comme tout le monde le dit, etc. Non, Blizzard l'a dit, ce ne sera pas une Garrosh 2.0. Alors des fois Blizzard a dit des trucs et ne le feront pas. Pour ça, je les crois totalement et je pense que il y a des fois, à force de connaître Blizzard, tu sais des fois quand un non peut dire un oui et quand un non veut dire un non. Et là en l'occurrence, je pense pas que Sylvanas sera 2.0. N'hésitez pas à bien sûr commenter cette vidéo le jour où ce sera vraiment le cas. Mais en l'occurrence, moi je n'y crois pas. Je pense que Sylvanas aura un rôle à jouer dans le conflit plus global, on va dire le conflit plus grand qui arrive avec probablement le réveil de Nizzard. Je pense que BFA se finira avec Nizzard de libéré. Je pense pas que ce sera Nizzard le grand boss, on va dire, de fin de BFA. Je pense pas. Je pense que Nizzard sera libéré pour la prochaine extension. Donc moi je vois pas Sylvanas en grande méchante. Je pense qu'elle va abdiquer. J'aimerais que ce soit Bane, le chef de guerre de la Horde. Parce que Sylvanas, il faut le savoir, hein, n'aime pas le poste de chef de guerre. Elle n'aime pas ça. Elle le fait parce que on l'a mise là et maintenant bah, elle honore la on va dire elle honore la place, mais elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Et du coup, je pense que si à un moment donné elle est défaite, elle acceptera d'abdiquer. Je pense qu'on aura une Sylvanas boss, parce que c'est un truc que les joueurs ont beaucoup demandé. Ils veulent lui péter la gueule. Enfin, une partie de la communauté veut lui péter la gueule et l'autre, c'est leur reine, donc ils veulent pas la tuer. Je pense qu'ils feront un truc comme Jaina. C'est-à-dire un raid à la Dazar Allor où on pourra jouer côté Horde et côté Alliance, histoire d'avoir un scénario très intéressant, pas avoir un donjon qui casse le truc. Non, tu construis le donjon avec une partie Alliance, une partie Horde, avec Sylvanas qui sera probablement un des boss comme Jaina peut-être, et je pense que ce sera justement peut-être un raid sur Mulgore et Thunderbluff, donc les Pitons du Tonnerre, qui pour l'occasion se referont peut-être une petite beauté, un petit peu à l'image de comment s'appelle de Stromgarde et des Hautes Terres d'Arati, avec une petite remodélisation. Ça pourrait être cool, ça pourrait être l'occasion de faire ça, parce que la capitale a quand même très très mal vieilli. Et en plus de ça, on pourrait avoir une situation où Sylvanas donc serait un des boss de ce raid, et au final à la fin elle abdique, et où on va dire il y a une autre menace encore plus grande qui explose à ce moment là et à la fin du raid on va sur quelque chose avec l'ouverture des dieux très anciens et le conflit alimente cela. Je pense aussi que Sylvanas a un plan. Le fait par exemple que Nathanos arrive avec la lame des dieux très anciens, je pense qu'elle a un plan pour essayer de lutter contre Nizzard qui est en train de monter en puissance. J'y crois. Alors, est-ce par qui est-elle influencée? Beaucoup pensent que c'est les DTA vu qu'il lui amène l'épée, tout ça, tout ça. Je ne pense pas. Je pense au contraire que c'est probablement par Azeroth ou par une autre puissance qui essaye de la faire lutter contre les dieux très anciens. Donc, on verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette cinématique. Je la trouve géniale. Ça, enfin, l'écriture de... Je suis vraiment très très satisfait de l'écriture de BFA. Il y a bien sûr toujours des petits problèmes là, par exemple Mechagon. Au final, je m'en doutais un petit peu, mais dans le jeu, on n'a pas d'explication sur le fait que pourquoi, pendant je sais pas combien d'années, on l'a pas trouvé. Au final, elle est juste à côté de Kul Tiras. La légendaire Mechagon, qui est juste à côté de Kul Tiras, la nation la plus ouverte sur le monde, avec les plus grands explorateurs, les plus grands commerçants, etc. Ils n'ont pas trouvé l'île qui est juste à côté. Il y a toujours des erreurs bien sûr, mais scénaristiquement on est quand même vraiment vraiment bien. Là le mea culpa de Jaina et Thrall, le retour vers l'ancien temps, je dirais vers l'époque War 3, ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment des belles choses, des très belles choses. Il suffit aussi de, je vous invite à jouer à Najatar, vraiment Najatar, la zone, en plus Chandris qui prend de l'importance, la fille adoptive de Tyrande, avec, et de l'autre côté on a Talisra qui retourne à Azinash Shari et se remémore de la guerre des anciens et tout. Enfin, c'est vraiment une, pour le moment je trouve vraiment une du très très bon contenu, bien écrit. Il y a le retour aussi d'Irion avec les dragons noirs, donc il y a de belles choses. Khorne d'Ebène qui est réutilisé par rapport à Légion et tout, il y a vraiment une belle écriture. On sent que c'est quand même bien fait. C'est pas parfait encore bien sûr, mais c'est du très très bon, c'est vraiment du très très bon, et j'aime beaucoup ce qui est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe? Quelles sont vos théories pour la suite? Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo, ce que j'ai pu faire sur Warcraft 3, les trois sur Warcraft 3, notamment avec la fondation de Durotar aussi, hein, qu'il faut pas oublier. Également celle sur Wovania, qui est très importante par rapport à ce que je disais de la géopolitique de l'époque, qui était un énorme échec, un énorme raté, et qui est à l'origine de ces 15 ans de beaucoup de choses, mais de pas grand chose en même temps, parce que là, on le voit, 15 ans après, ça revient à la situation de Vanilla. Donc, c'est... Voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Et n'hésitez pas à
suivre les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, Facebook, Twitter, vous abonner, liker la vidéo, partager autour de vous. Vous savez, il y a plein de potes, je suis sûr vous connaissez plein de gens, qui parlent de putain de troisième faction ou de faction unique. N'hésitez pas à leur donner cette vidéo, ainsi que la vidéo sur Ovania. Allez, je retourne sur les forums, bisous.